très sympathie. Depuis que vous êtes à l'Union Saint-Gilloise, c'est le premier match officiel que vous ratez. Qu'est-ce que ça donne comme sentiment? Frustration? Quand même frustré. On veut toujours jouer les matchs. D'autant plus quand on enchaîne les minutes et que ça tourne bien. Donc ça désole un peu quoi. C'est plus ou c'est moins stressant? Plus stressant, surtout dans la phase où on est, il fallait à tout prix gagner. L'équipe a fait le boulot, donc je les félicite et ça m'encourage encore et me motive pour la suite. Alors Trézy, ce match de dimanche contre Tubize, ça pourrait bien être le match de la saison pour l'Union Saint-Gilloise. Comment se prépare-t-on? Il se prépare bien, pas vraiment avec de la pression, mais avec la volonté de le gagner. D'autant plus que c'est la fin de la saison, on attend le tournant pour le top 4. On espère avoir les supporters derrière nous et être tous motivés. Il y a quand même un sérieux obstacle à franchir. Tubize, c'est un peu la bête noire de l'Union. Pas qu'un peu. Je crois qu'on a pris qu'un point sur 15 contre eux. Mais quand on regarde ces deux dernières années, on a fait des exploits. Battre Oulers, cette année, la défaite à domicile, c'est nous. Et puis, on n'avait jamais battu une équipe du top 3 cette année, on l'a fait. Pourquoi pas Tubize encore cette année? C'est ce que tout le monde espère. Pour conclure, Trécy, un petit mot pour les supporters? Oui. Je vous invite à venir pour notre victoire. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit la victoire contre Tubize ce dimanche à 16h. Venez nombreux. Merci.